voulez. Ok, Hunter il va attaquer ici. Ah moi j'adore les gars quand vous pouvez personnaliser des persos, ça m'éclate. Hein. Ok Hunter, bien joué. Alors Hunter il a une bonne attaque mais il faut faire gaffe parce que du coup il est assez faible en vrai. C'est parti. On va envoyer la maîtresse avec. Lame dissimulée, 2 à 6, 2 à 6, ok. Ok, on l'a eu. Nickel ça. À vos ordres. Ok. Comme à l'entraînement. On a presque eu, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Allez, fin de tour. À eux de jouer. Pour l'instant, les premières missions sont faciles. Hein. Ah bah, il est mort. Il est mort de... du feu. Ah par contre il nous a mis le feu aussi dans la forêt. Ok lui il s'est soigné. Abandonne. Ah esquive. Ouais c'est pas fait grand dégâts là par contre. Très bien. Ok. À votre service. Bah, tu sais quoi? Ah, celui qui est mort. Ok, parce que toi aussi t'as volé. Regarde, t'es là, tu vois? Oui. Tu vois, je t'ai pas mis de cheveux. Ça va, zut. C'est parti. Je vais vite en finir. Ok, lui il est mort. C'est déjà ça. Et là, normalement, on a plus de points d'action. Oui. Enfin, on a plus de points d'action, on va faire passer le tour. Bon, lui il va se faire goumer, lui. Hein. Allez, stagiaire, à toi de terminer. Alors apparemment c'était pas la fin de la mission. Apparemment c'était pas la fin de la mission les gars parce qu'il reste encore du monde. Là ici là. Ok. Encore une escouade, ils sont 4. Ils nous ont pas repéré pour l'instant. Je prends place. Ma lame est vôtre. Qu'on continue Ghost Recon devant. Hein. Ok, en position, nickel. C'est parti. Le stagiaire, il voulait une hallebarde. Écoute, on commence par petit, puis après on change, tu vois. On commence déjà à gérer les filles, nom de Dieu. Alors, fin de tour. Est-ce qu'ils vont se déplacer, eux? Ouais, ils se déplacent. Oh putain! Ouf! Ok. Ah, ça pue la merde, parce qu'ils sont 8. Ok, bon, on va se déplacer un petit peu. C'est parti! Il y a encore 4 ennemis. Va falloir qu'on fasse attention là. Il y a encore 8, ouais, 8. Oui. C'est pour ça que je vais pas tous les engager en même temps. Ouais, parce que là, ouais, non. Oui.
On va les mettre en position, on va les laisser avancer pour l'instant. Après le truc qui est pratique, c'est comme j'ai pris Astéria, en fait, elle a un chien en fait avec elle. Et du coup ça fait quand même un perso de plus quoi. Là j'arrive à... Ah ils nous ont vu. Bon là c'est bien parce qu'il est venu directement vers nous. Ok parfait. Ce n'est que l'échauffement. D'accord. Ah, je peux pas taper, putain, fais chier. Je ne vous décevrai pas. À votre service. Je vais vite en finir. Ok, tu l'as fumé, super. À vos ordres. Alors, j'ai une fiole de soin. C'est quoi ça? Expérience douteuse, vous lancez une corruption. Ça risque de piquer. Façon de crier, elle m'a fait peur là. Empoisonné. Putain, c'était bien joué ça. J'ai peut-être trop. Ouais, peut-être pas que je fasse. Comment dire. Peut-être pas que je fasse les unités aussi rapprochées. Peut-être ça mon erreur. Vôtre. Très bien. C'est de passer derrière lui. Allez Zuzu, termine-le. Ah, tu n'auras pas terminé. Compliqué l'histoire là. Ma lame est vôtre. Ah bah il est mort. Ok. Ok, faut que je fasse gaffe parce que le toutou par contre il est en train de ramasser quelque chose de bien mais... Est-ce que je peux pas le soigner par hasard? Oui. Ok, ça va. On va soigner un petit peu parce que... On va éviter de faire crever le chien. Ah, esquive. Je suis prête. Oui. À votre service. Oui. Ok. Au moins lui, c'est réglé. Fin de tour.
qu'on va perdre des dégâts. Dans tour ennemi, on a quoi? On a ouais, deux arbalètes triées. Il va falloir les focus en premier. Ah, on a perdu moins 3. On y va? Pour l'instant, on va essayer de se déplacer tranquillement. Je vais pas trop utiliser les soins. Oui. Je suis prête. Je me positionne. J'espère que le chien va pas mourir en vrai. Ma lame est vôtre. Je vais donner, un antidote. On va voir ce que ça donne. Hop, fin de tour. Ah, nous a vu. Ok. On va essayer de la goumer en premier. J'ai l'impression de pas faire de dégâts, hein, vraiment. Sonnette l'échauffement. C'est moyen, c'est très moyen. D'accord. J'y vais. Ok, bon, au moins elle nous foutra pas le poison. Hunter, je vais le laisser un petit peu en arrière. Hein. Je vais le laisser un petit peu en arrière pour commencer parce que. Il a pris pas mal de dégâts. Aïe, tour de l'ennemi. Ok. Ah, empoisonné. Ça fait chier ça. Mal. Ça fait mal, ça fait mal. Il va falloir qu'il se soigne. Obligé, il va falloir qu'il se replie, qu'il se soigne. Ou alors je sais pas s'il va pouvoir bouger sans se faire taper dessus. Ah putain, esquive. Ah, deuxième esquive, ah non, abusé là. D'autres dégâts, ça fait pas énorme. Ok. Ma lame est vôtre. Oh, Zuzut, t'as plus de points de survie, putain, c'est compliqué là. Parce que si je bouge, on est d'accord. Est-ce que je peux sauvegarder entre temps? On va sauvegarder la partie, je vais tester un truc. Parce que si je bouge. Si je bouge, est-ce que ça va. Est-ce qu'ils vont me taper dessus? Est-ce que j'ai un moyen de le voir? Ouais, oui, si c'est en rouge, à mon avis, oui, c'est qu'ils vont taper. Esquive, bah ouais, ouais, il esquive tout. Je vais vite en suivir. Ok, ça va. N'attendez pas de pitié. Pas mort, hein. Je vais tester d'envoyer le chien, c'est mon avis, le chien, je vais le sacrifier, mais bon, c'est pas grave. Ok. À mon avis. Ouais, zut, il est passé.
Comme à l'entraînement. À moi. Yeah. Ok, see you. Je vais vite en finir. À votre service. Ils vont être pas de mal blessés hein, quand même. Hein. Alors voyons voir. On a fini le, on a fini notre combat. On est ressorti victorieux. Pourquoi le chien n'a pas attaqué? Bah parce que c'était... J'ai peut-être oublié de le faire attaquer. Ouais, j'ai peut-être oublié de le faire attaquer, tu vois. Alors, je crois que toi du coup t'es blessé. Ensuite maintenant t'es blessé, t'as été blessé pendant le combat, donc normalement tu vas être... Alors niveau 2 atteinte, on fait voir. Alors niveau 2, voyons voir. Dresseur, frappe coordonnée. Votre frappe avec coordination parfaite, inflige 2, c'est égal, ma bête. Ok, super. Alors, vent, voyons voir. Tac. Vas-y, vent, à tout à l'heure. Bon appétit. C'est vrai que c'est déjà 19h. Retour de main, ouais, on est bon. Alors, on a réussi à avoir quelques petits trucs. Alors, voyons voir la caserne. Caserne, je pense qu'on va l'améliorer. Avoir une bonne force d'attaque. Je pense que c'est le principal. Améliorer, nickel. Niveau 2, parfait. On peut recruter maintenant des compagnons apparemment de meilleur... De meilleur niveau, là. Par exemple, elle est directement niveau 2. Ouais, je vois. Ok. Ok, ok. Alors, sauf que moi, je m'en fous. Compagnon, c'est ça. Alors là, ils sont en train de se reposer, laboratoire. Alors, laboratoire, voilà. C'est quoi, malandrin? Alors, un malandrin, je sais qu'avant, c'était genre une insulte, c'est en disant... Voilà, malandrin. Mais où c'est que tu l'as vu, malandrin? On va étudier les armures. Choix des persos. Ah, attends, bah, je vais dire. À mon avis, c'est un truand. Un malandrin, c'est un truand. À mon avis, tu sais. C'est que tu vois le. Dans quoi, dans le recrutement, tu l'avais vu? C'est quoi ça? À mon avis, ça doit être une classe que t'as vu, mais j'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir en fait. Quand tu vas passer le level, tu avais le choix entre maître d'armes et malandrin. Ah, c'est les compétences. C'est les compétences, en fait. Tout simplement, en fait. Chaque compétence va apporter un truc différent, tu sais. Chaque compétence va apporter un truc différent. Ils seront plus à l'aise dans une certaine catégorie.
Tac tac tac, chapelle, voyons voir. Chapelle, normalement, je pense que mon avis, t'es dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Encore 3 jours de voyage, c'est ça. Normalement, tu vas être envoyé à la chapelle pour pouvoir te soigner. Parce que bon, voilà quoi. On va faire passer les tours. Étude renfort d'armure est terminée. Vous recevrez un exemplaire et vous pouvez maintenant l'acheter au laboratoire. Alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Alors là, on a étudié, maintenant acheté. Renfort d'armure. Rend un point d'armure précédent perdu à vous-même ou à un compagnon porté. Ah ouais, d'accord, ok. C'est, en fait, c'est inconsommable, ça. C'est pas mieux de diversifier les persos? Si, si. Si, 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 si. Mais ils ont pas tous les mêmes compétences, hein, je te rassure. T'en as, c'est des bretteurs, t'en as d'autres, c'est des espèces de templiers, t'en as d'autres, c'est des archers, d'autres, c'est des espèces d'apothicaires, entre guillemets. Non, non, t'as différents trucs. Laboratoire. Est-ce que je peux l'améliorer? Il me manque ça, ok. Tu as mis 2 mètres d'armes. Tu parles de quoi, dans le choix des persos, ou tu me parles... Parce que t'as la compétence, t'as certaines compétences que tu n'utiliseras pas forcément. Après, ça dépend comment tu joues, tu sais. On va prendre des bandages, on va étudier le bandage. Tout le bandage, un gros conçu pour arrêter les saignements de sang, on va en prendre ça. Ok. Alors, ensuite, on a une mission ici. Mission ici, facile, éliminer la cible, amener vos compagnons jusqu'à la zone de repli. Ok, on va laisser passer les tours histoire de reposer un peu notre compagnon. Alors, voir le laboratoire, normalement, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on a, ordre du seigneur, forge, prison. En prison, pour emprisonner du coup des mondes. Tac, envoyer des compagnons, on va voir si on a des compagnons qui sont prêts. Et pour l'instant t'es un petit peu sur le dos. Continue à envoyer Milady. Hop. Envoyer Picsou. Hop. Est-ce que dans ce moment on n'aurait pas une autre classe un petit peu disponible? On a... Ouais, sinon... Place de Tox, on va essayer d'envoyer Astéria. Hop, on va voir. Alors, consommable, on a quoi? Ah, il faut faire réparer. Faut réparer les épées aussi? Parce que je vois qu'elle a... Ou alors, c'est des niveaux, ou alors. C'est peut-être des niveaux. Parce que je me demande. Retour domaine, or obtenu. Bah, nickel. Bon, nickel, ça nous fera 400 d'or de plus. Fermé. Il nous faut du cuir et tout ça. Merci Nigma pour le follow, bienvenue à toi. Qu'en sais-tu ce fan? Ouais, oui, alors Nigma, ouais. Ouais, vraiment. Tu vois, moi-même, j'adore XCOM. XCOM 2, particulièrement. Et c'est pour ça que justement que j'ai pris ce jeu. Donc ouais, je le conseille vraiment. Je conseille bien, on est un petit peu sur le même principe. Après, c'est pas la même, comment dire, pas le même style d'aventure, parce que c'est sur une époque un petit peu médiévale. Mais ouais, franchement, ouais. Moi, j'étais vraiment un passionné de XCOM, j'ai adoré le jeu, et franchement, ouais, c'est pour ça que justement, j'ai pris celui-là.
Tech laboratoire, voyons voir. Bon, je pense qu'il y a pas grand chose. Donc ouais. Vraiment ouais. C'est ça, côté tactique, puis t'as le côté personnalisation, t'as pas mal d'autres trucs et tout ça qui font penser un petit peu à XCOM. Donc ouais, en vrai, vraiment, ça peut être pas mal, ouais. Après, moi, je viens juste de commencer, donc ce soir, c'est un peu dur de donner un avis dessus, tu sais. Mais franchement, il est sympa. Ouais, moi aussi, j'ai un univers médiéval. Mais médiéval fantastique, parce que du coup, il va y avoir d'autres trucs, etc. quoi. Alors, assassinat, une missive est arrivée aujourd'hui, cible importante, etc. Facile, éliminer la cible, amener vos compagnons jusqu'à la zone de repli. Ok. Et balancer les batailles. On va aller voir du coup ce que ça donne. Que je vais craquer ce soir. Bah écoute, si le jeu te plaît, fais-toi plaisir, tu vois. Et surtout, pas de quartier. Mais vraiment, ouais, moi qui adore XCOM, je te dis, sur ces genres de jeux, en général, je m'éclate assez bien. D'accord. Hop. Alors voyons voir, il y a que ces qui sont combien, c'est qui okay. À votre service. Hop, on va se contenter pour l'instant d'avancer. Vraiment d'avancer. D'accord. Je ne vous décevrai pas. Enter, c'est parti. Hop, fin de tour. Là on va être obligé de taper un peu dans le temps parce que ben ils sont dans une base donc là on va rentrer par la porte et let's go hein. J'arrive pas à voir. Ok. Très bien. On va envoyer l'archer en premier. À votre service. Ma lame est vôtre. Pour l'instant, je laisse passer le tour, je veux qu'il me détecte en premier. C'est parti. En fait. Et ensuite, là, je vais lancer vraiment l'assaut. Quoi. Le toutou, il est où? Il est là. Hop, allez, vas-y, mon grand. Ok. Et là, c'est parti, on va balancer la fiole. Ah, je peux pas la lancer, merde. Attends, comment je peux faire? Ok. Trop tard. Ok. Il a 39 d'armure quand même lui hein. Il a 39 d'armure, ça par contre ça me fait un peu peur ça. Ok, on lui a mis un critique, ok c'est pas mal. En route. À vos sorts. Ok, bon ça va, en fait, la cible est quand même assez... ne tank pas beaucoup, quoi. Que justice soit faite. Ok, éliminer la cible, super. Super. Il nous manque plus qu'à éliminer, je pense, le reste. Ou sinon, il faut qu'on aille directement à la zone de repli. Mais pour l'instant, ils ont que 4 soldats. En vrai, je pense qu'on peut se permettre de les attaquer. Ah,
Ah oui, mais quand même, on fait des bons dégâts quand même, hein, ce que je remarque. Hein. Ok. Je pense c'est parce que les persos ils sont passés level 2, je pense. Ah d'accord, il y a des renforts qui arrivent. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut aller à la zone de repli. Oh putain, on a pris un moins 11 là. Fait mal là. Essayez de le choper. À moi. Meurs. C'est parti. Je vais vite en finir. Ok. Il n'est pas encore mort. À votre service, à votre service. Comme à l'entraînement. Ah, il y a quoi, il y a maître d'armes. Attends. Okay. À votre service. Faut au moins que j'élimine au moins le mec là pour qu'on puisse se replier tranquille. Très bien. Ah. Qu'est-ce qu'on a? Verdict, vous infligez 5 à 8 de dégâts. Voilà, c'était 5 piles. Hein. Ok, belle esquive. Belle esquive de Milady. Hop. Oui. À votre service. Si tu le dis, Milady, si tu le dis, si tu le dis, si tu le dis. Allez, hop, on va se replier. J'y vais. Objectif accompli, il faut qu'on se replie. Il y a l'hélicoptère qui va venir nous chercher. On rigole, bien sûr. Alors, c'est pas qu'elle saigne, hein, c'est juste que vous aviez un. Si vous, comment on dit, le pack, vous aviez des effets sur les persos que vous pouviez mettre comme sanglant là. À votre service. En route. Un tour. Normalement, il y a les renforts ennemis qui devraient arriver. Voilà, ils sont là. Je sais pas si on va pouvoir se replier tout de suite. Ça qui va être un peu compliqué. Logiquement, ça devrait le faire. Je pense que là, par exemple, on veut dire repli. Ok, d'accord. Je ne vous décevrai pas. Ok, normalement, ça devrait le faire. On devrait pouvoir se barrer tous. Ah bah non, ouais, ok, d'accord. Ok, donc faut qu'on se replie vraiment tous, parce que sinon on risque de subir une blessure, ok. Excusez-moi. Le rhume des freins qui commence. Non! Vous voulez pas lui dire de faire ça? Ah. Obligé d'attendre, putain, fais chier. Ah, elle va se faire goober. Par contre, bah ouais, mais Lady, ton perso il a vraiment beaucoup d'esquives, quoi. Parce que il me tape des esquives à chaque fois.
Ok, on a réussi à se replier. Bon, malheureusement, on aurait pu faire presque imperfect si on n'avait pas, mégoté un petit peu. C'est pas grave. Alors, niveau 3 atteint pour Astaria. Niveau 3 atteint pour Milidis. Parfait, ça. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Baume expérimental. Vos fioles de soins confèrent une guérison. Vos fioles poison appliquent deux fois plus d'empoisonnement. Ouais. Mélange explosif. Vous mettez au point des formules plus puissantes. Augmentez des dégâts infligés par des fioles de feu. Ouais, ça, ça m'intéresse. On va mettre celle-là. Sectionné. Ok, nickel. Voyons voir mademoiselle, là. Qu'est-ce qu'elle a? Alors. Vous profitez d'une faiblesse de votre ennemi pour lui porter un coup fatal infligeant de 3 à 7 de dégâts. Ça reste classique. Hein. Vous envoyez votre faucon en éclaireur. Il dévoile une zone du champ de bataille et confère une célérité. Ainsi par votre bête, ok. Inflige 4% des dégâts. Chance d'infliger, du ralentissement, travail d'équipe, etc. Je prends celle-là. Ah non, tu dois en choisir deux. Tu dois en choisir deux, autant pour moi. Je vais faire les deux comme ça. Voilà, ouais. Parce que tu dois choisir celle du chien et en fait celle du dresseur. Ok, d'accord. Ok, ok. Eh ben, on est pas mal. Tac, tac. Et on n'a pas encore passé Nos guerriers n'ont pas encore passé le niveau supérieur. Alors, forge, voilà, permet d'améliorer toutes les familles d'armes et d'armures. Ça, je veux. Ça, je veux la forge, les gars. Ce qui va nous permettre d'avoir des belles armures. Bouclier renforcé, machin, etc. Est-ce que je peux l'améliorer pour moi? Ouais, je peux l'améliorer, tu vois. Hop, je la passe niveau 2. Ça fait pas chier. Armure, voyons voir. Et ouais, bah du coup, c'est là que les gars, on va débloquer toutes les armures pour les chevaliers, etc. Ok, d'accord. Ouais, c'est sympa. Franchement, c'est assez sympa, en vrai. Armure croisée, armure de maître de bête supérieure, ok. Et armure croisée parfaite, ok, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on a nous? Qu'est-ce qu'on voudrait? Armure de bretteur renforcée. Armure de bretteur raffinée. Armure de croisée raffinée. Je veux voir un petit peu, et là j'ai pas encore débloqué, ouais. En fait il faut débloquer, mais c'est à mon avis de niveau supérieur du coup. C'est sympa. Sympa, même s'il manque un petit peu. Je trouve que s'il y a juste ça... Ah, par exemple, palier 2, voilà. C'est ça qu'il faudra faire, donc, pour les bretteurs raffinés. Et armure de croisée raffinée, d'accord. Ok. Ensuite, on a tout ce qui est armes. Arc arbalète, etc. Bon, pas pour l'instant, je peux pas faire. Mais, ok, d'accord, il y a tout ce qui est ça. Alors, laboratoire, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit, parce qu'on a une alerte. Et sympa le jeu, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, sur le live. En tout cas, il est assez cool en vrai. Après, c'est des jeux de gestion, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Faudra que je l'améliore aussi. Ok. On va voir la carte de France. Là, on a une mission là, qui vient de pop. Or obtenu. Ok. Niveau de difficulté, niveau de compagnon, niveau 2. Donc là, déjà, ça commence à s'avancer. S'assurer des négociations est bien lieu. Ouais. Ouais. À mon avis, ça commence à s'augmenter. Alors, on va retourner au domaine. Chapelle de niveau 1. Alors, chapelle à quoi elle sert? Ouais, elle sert à augmenter. Zutman va effectuer un repos pendant 26 jours. Bah dis donc, mon salaud, t'en mets du temps à te guérir. Faut la vieillesse. Hall de seigneur niveau 1. Voilà, ça, hall de seigneur. Le
Le des seigneurs soutient la carte de France ainsi que le codex. Il est bien possible de modifier le blason, ok. Est-ce qu'il n'y a pas un truc pour augmenter la taille de l'escouade par hasard? Là, on a quoi? Marcher, glisser des batailles pour débloquer ce bâtiment. Et ensuite, on aura prison. Ok. On va juste regarder au niveau de nos unités, du coup. Alors, nous, on est soignés. C'est moi qui remonte à les congés maladie. Bah du coup les accidents de travail moi je pense plutôt. C'est du coup un coup d'épée dans la gueule. Je... Alors plus sur l'accident de travail tu vois. Picsou. On a quelques personnes quand même qui sont soignées. Je fais gaffe qu'on ait quand même des unités mais je pense qu'on peut commencer à faire la prochaine mission. Bah, sinon bon, on va prendre vent avec nous tiens. Alors. C'est parti on va envoyer 6 jours de... 6 jours de voyage. On va envoyer des hommes. Je fais exploit de tomber comme ça, Robo. Non, mais je crois que si tu tombes deux fois, je crois que tu meurs. Je crois dans le jeu. Midi. Hop. Est-ce que je prends encore midi, les gars? Est-ce que j'essaye pas de monter à Astéria? Non, elle est trop basse. De toute façon, il y a que. Au pire, j'ai une idée. Attendez. J'ai une idée. Bah oui. Ouais, mais tu vas avoir trop de niveaux comparé aux autres. Tu vas avoir trop de niveaux comparé aux autres si je te prends tout le temps. Le truc, c'est comme t'es archer, t'es pas en première ligne. Du coup, bah à chaque fois, en fait, tu prends pas de blessure. T'en fous. Mais faut que je prenne quelqu'un d'autre. Alors. C'est qui eux? C'est des. Écorcheurs. Ok, c'est des écorcheurs. Là, on va dire ça sera Fanjo. Il n'y a pas d'armure supplémentaire. Non, il n'y a pas d'armure supplémentaire. C'est dommage parce qu'ils n'ont pas vraiment d'armure et tout ça. Ils sont un peu dégueulasses, les persos. Bon, le truc que j'adore dans ces jeux, c'est voir les améliorations que tu peux faire et tout. Et vraiment, je suis vraiment super impatient là-dessus. Alors, tac. On va envoyer une escouade de... De purs guerriers, là. Hop. Ok, on a Van, Fanjo, Tox et moi-même qui partons. Au moins, des compagnons doivent être équipés de fer. Ah ouais? Ah merde. Ah merde, attends. Ah, autant pour nous. Faut qu'on ait des fers en fait. Faut qu'on ait des menottes pour ceux qui ont pas capté. Laboratoire. Ok. Allez, on va envoyer les squads. Une de vos escouades a atteint la bataille. Et bah c'est parti. Donc du coup là on doit s'assurer que les négociations aient bien lieu. Alors est-ce que ça donne?
Pour l'instant, on n'a pas vu de trop de trucs surnaturels pour l'instant. Eh bien, avez-vous des nouvelles des Navarrais? Non, madame. Toujours aucune. Peut-être que cette tentative de paix est vaine. S'il n'arrive pas bientôt, nous lèverons le camp et irons dire au dauphin que Charles de Navarre veut continuer la guerre. Mais pour info, le dauphin, c'était le roi. Je suis Blanche de Navarre. Libérez-nous! Et surtout, pas de quartier! Ok, en fait, donc, ok, pour empêcher les négociations, il y en a qui ont capturé, du coup, la petite dame. Ok. Ça se tient. À vos ordres. Pas de problème. On va mettre l'archer en position. À votre service. Oui. C'est la fin de tour. Ok, on a 4 ennemis, dont celui-là, là, faut se faire gaffe parce que lui, il balance des bombes. C'est pour ça que lui, on va essayer de se le faire en premier. Pareil, ils nous ont vu. Fallait qu'ils viennent dans le secteur, hein, bien évidemment. Oh, arbalète. Oh, j'avais pas prévu ça. Ok, un chevalier. Ah bah Panjo, ça commence mal hein. Je ne vous décevrai pas. Hors de mon chemin. Et on l'a bientôt eu lui. À vos ordres. Allez, bon, tu vas te tabasser le gros. Ah, esquive. Il me saoule quand il met des esquives. À votre service. Vaut rien. Oh. Putain, encore une esquive. Affreux ça, hein. Ok, fin de tour. Ah, je croyais qu'il allait prendre l'arbalète, tu vois. Ouf. Putain, deux esquives. Putain, elle est pas mal. Là, par contre, il a pas esquivé, là. Oh mais putain, mais nos persos ils sont pas mal là, ils esquivent, c'est bien ça. Faut rien. Ok, moins un. Parfait. Donc ça va faire bagarre. Hors de mon chemin. Oh, double esquive. Je déteste. Hors de mon chemin. Voilà. Là, ça va mieux là. En plein dans le mille. Peut-être lui mettre une arbalète à Panjo. Peut-être lui mettre une arbalète en vrai. Je te tiens. Ça suffira pas. Ah, on peut pas tout esquiver, hein, malheureusement. Hop, ça s'est fait. Hors de mon chemin. Oui. Comme à l'entraînement.
Ok, lui il est down. Continuez d'avancer. Quand vous voulez. Ah, il m'esquive tout, je te jure, c'est relou. Ah voilà, il l'a prise là. Ah, c'est un bon coup ça. Enfin, grand merci. Je suis envoyé par le roi de Navarre pour une importante mission. Nous étions en route pour Pontoise, sous bannière de Trèves. Et ces chiens ! Capitaine, nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons faire vite. Vous avez raison, madame. Quant à vous, pouvez-vous nous rendre un dernier service et couvrir nos arrières ? Soyez vigilants. Le chef de ces écorcheurs est sorti du camp avec ses meilleurs hommes. Il peut revenir à tout moment. Ce brigand mérite que... de répondre de ses actes devant la justice. On doit les retenir. Capturez-le si vous le pouvez. Quant à nous, partons. Adieu, braves gens, et merci. Bah, y a pas de quoi. Alors, capturer le chef des ravisseurs. Oh putain, c'était pour ça les faire, du coup, hein. On va se mettre en position, messieurs. Est-ce qu'on a pas des arbalètes? Si, on a quand des arbalètes. Essayez de prendre l'arbalète, je sais pas si on peut la prendre. Alors, 40 pas l'heure. Ah si, du coup, ouais, mais ok, ça... C'est à chaque tour, ok, d'accord. Mais non, mais... C'est un sketch, pas dit de bouger, là. Ma lame est vôtre. Ta lame est vôtre. Attends mieux, tu vas aller en première ligne. Oui. Je ne vous décevrai pas. Putain, ces meilleurs hommes. Enfin, je vois, ouais. Ça pue, les gars. Ça pue, ça pue. Alors, tire un carreau, pénètre profondément dans la chair. Inflige 5-1. Tire un carreau de pénétration de grand accru. Inflige 2% de dégâts perforants à l'armure. Alors, comment je fais pour l'utiliser? Yo, Yrox. Comment je fais pour l'utiliser, ce truc? Ah bah voilà, comme ça, ok. Ok. À vos ordres. Pour l'instant, on reste comme ça, on va les laisser avancer. D'accord, lui a mis un coup. C'était
c'est pas mal, mais ça suffira pas. Que justice soit faite. Ah ouais, esquive, bah oui, bah oui. Bien évidemment. Oh, pour un point de vie, ça, c'est un sketch. Très bien. Ok. Ma lame est vôtre. N'attendez pas de pitié. Ah, ça fait très mal là. Aïe 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 aïe. Il va falloir du renfort hein. Ah putain. Ok bon. Il va falloir lui passer les fers à cette espèce d'enfoiré. Très bien. Ok. Moins un. Ouf. Un beau coup ça. Ça suffira pas. Attends, je peux peut-être lui tirer. Non, je peux pas lui tirer, putain. Avec l'arc là ? Non, je peux pas non plus. Pas de problème. Ok, moins 1, tac. Ok, il est à 8. Normalement, lui, il est mort. Sachez qu'on a perdu vent. Que justice soit faite! Ah, il y a l'archer aussi derrière. J'espère qu'il va pas nous balancer un truc explosif ou un truc du genre. Ouf. Ah, ça nous a touché quand même. Ok, grossière erreur mon ami. Dieu guide mon bras. Ah merde, mais j'ai pas pris le bon perso. C'est pas possible. Ok là, donc là je viens de tarter mon pote. Bah c'est nickel, dis-moi. Hors de mon chemin. Ah, esquive. Oh, alors ça par contre. Ça donne de me péter les couilles. Ok, on l'a capturé. C'est parfait ça.